L'événement Fortnite arrive ce soir. Comme vous le savez, l'événement Fortnite arrive ce soir et je vais tout vous expliquer dans les détails pour cet événement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à savoir et qu'il y a beaucoup de choses exceptionnelles qui vont arriver dans cet événement. Donc apprêtez-vous à avoir du lourd ce soir à 20h15. À 20h15, faut être dans une map précise et je vais vous dire comment bien y participer et être sûr d'y participer. Donc je vous dis, c'est parti pour vous expliquer l'événement de ce soir. Avant de débuter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications si tu veux suivre toutes mes informations et tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Si tu actives la cloche, tu passeras à l'écran, voici 10 personnes qui sont abonnées avec la cloche, donc abonne-toi, mets la cloche et je te ferai passer sans aucun problème à l'écran, donc abonne-toi et mets la cloche. N'hésitez pas aussi à liker les abonnés ou toutes les personnes qui ne sont pas abonnées encore à la chaîne, ça me ferait super plaisir pour le travail que je fais. Et n'hésite pas aussi à mettre ton pseudo Fortnite. On est bientôt à la nouvelle saison, je ferai offrir un pass de combat comme chaque saison. Donc ajoute ton pseudo Fortnite dans les commentaires pour que je t'ajoute sur Fortnite. Et parmi toutes les personnes que j'ai sur Fortnite, je leur offrirai un pass de combat, donc n'hésite pas. Bref, comme vous le savez, l'événement Fortnite arrive ce soir à 20h15. Pour y participer, ça va être très simple. Fortnite vont ajouter dans les maps de l'accueil une map événement. Ça veut dire que ça sera un lobby, comme vous voyez par exemple, vous voulez jouer en solo, il y a écrit solo, il y a duo, section, etc. Et bah tout devant, vous aurez la map événement et toutes les autres maps seront bloquées sans exception, même le créatif. Et bah du coup, quand vous allez rentrer dans ces maps événement, faut rentrer minimum 15 minutes avant. Vous allez vous dire que 15 minutes avant, c'est trop, parce que après 15 minutes avant, le temps que le déroulement de la map se fait, et bien la zone est trop petite. Eh bien non, Fortnite ont tout prévu, c'est que 15 minutes avant, la zone ne va pas se rétrécir et personne pourra se battre pendant 15 minutes. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans ces maps à temps, c'est pas grave. Il y a une place limitée dans les maps de Fortnite. Donc c'est pas grave, si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être moins bien, mais l'avantage c'est que vous aurez un événement pour vous personnaliser dans le lobby. Donc vous savez qu'il y a un événement dans une map, mais à chaque fois que Fortnite font des événements et qu'il y a des trous noirs entre guillemets, quand je dis un trou noir c'est une maintenance de 1 jour, et bah il y a aussi un événement dans le lobby dû au nombre de gigas à télécharger qui était énorme dans la dernière mise à jour. C'est pour ça que si vous restez dans le lobby, et bah vous aurez un événement et vous verrez le lobby disparaître devant vous. Comment? On ne sait pas encore, mais ça devrait être vraiment exceptionnel. Pour l'événement, qu'est-ce qui va se passer? En gros, pour ce qu'on sait pour le moment, on va se faire propulser dans le ciel jusqu'à aller arriver presque sur la lune. Parce que vous savez que sur Fortnite, t'as une lune qui est arrivée et elle est de plus en plus grosse et on a l'impression qu'on va aller dessus. Pourquoi? Parce que l'impacteur qu'il y a au milieu de la map tire du laser. Et tellement qu'il va tirer fort, la map va exploser. Et pour voir la map en entière, faudra aller dans l'espace comme on avait eu pour le trou noir. On s'était fait éjecter de la map pour voir l'événement. Donc dites-vous, ça va être exceptionnel, sachant que c'est un événement de saison 2, chapitre 3. Je pense qu'il va être exceptionnel vu le nombre de gigas, ça sera presque un événement aussi exceptionnel qu'un nouveau chapitre carrément. Donc apprêtez-vous ce soir à 20h15 d'avoir l'événement saison 2 chapitre 3 de Fortnite et dimanche à 20h15 à avoir la mise à jour de la nouvelle saison. Donc apprêtez-vous à avoir un des meilleurs événements de Fortnite. Moi je vous dis à ce soir, j'enverrai l'événement, passez une bonne journée, allez, kiffez bien.